Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, le podcast qui questionne l'état de notre monde, les risques d'effondrement de notre civilisation industrielle et les façons de se préparer à vivre différemment. Je suis Alexia Soyeux et aujourd'hui je reçois Jean-Marc Gancil. Aucune initiative considérée globalement n'a réussi à changer la donne. On consomme toujours plus, on est toujours de plus en plus nombreux, on détruit toujours plus la biodiversité, on émet toujours plus de CO2 et la transition n'a pas lieu tout simplement. Jean-Marc Gancil est le cofondateur de Darwin à Bordeaux, un immense lieu dédié à la transition qui occupe une ancienne caserne militaire et qui a créé un véritable écosystème d'activités avec des entrepreneurs sociaux, des associations, des événements, un restaurant, une brasserie, de l'agriculture urbaine. C'est un lieu qui tente d'ouvrir de nouvelles voies en matière d'économie, d'énergie, de culture et de cohabitation des genres. C'est un lieu assez exceptionnel et assez difficile à décrire aussi tant il est foisonnant. J'avais rencontré Jean-Marc l'été dernier lorsque j'étais venue visiter Darwin et j'avais été très impressionnée par son engagement et la lucidité de son discours. Alors, je l'avais ajouté sur les réseaux sociaux et depuis, j'ai pu constater qu'il est aussi militant en ligne que dans la vraie vie. Le no future ne génère pas d'envie de tout abandonner, mais au contraire, de décupler ses forces pour sauver ce qui peut l'être, parce que cette planète, elle est belle quand même. Donc maintenant, advienne que pourra, essayons de faire au mieux face à l'inéluctable iceberg vers lequel nous fonçons. Nous avons parlé de l'effondrement qui vient, de décroissance, du sens de l'action, de la nécessité de vivre en accord avec ses convictions. Nous avons aussi parlé des difficultés de créer un modèle d'entreprise différent, de l'importance de se libérer du superflu, de radicalité et de cohérence et d'entraide. Jean-Marc Gancil, bonjour. Bonjour. On va se tutoyer. Hein. Oui, avec plaisir. Donc tu es comme dans la vraie vie en fait. Tu es cofondateur de Darwin, qui est un lieu de transition à Bordeaux. Avant ça, tu as été travaillé chez Orange, que tu es responsable du développement durable, je crois. Aussi, communication et développement durable sur le Sud-Ouest. Ok. Alors on va attaquer dans le vif. Est-ce que tu peux me dire quelles ont été les grandes étapes dans ta vie quant à ta prise de conscience de l'état du monde ? C'est toujours un sujet qui m'a intéressé et je ne sais pas bien pourquoi. J'ai eu une enfance très heureuse, pas eu beaucoup de difficultés. J'ai la chance d'avoir été dans un milieu assez favorisé, des parents qui très aimants. Et je n'ai pas eu d'accident de parcours au sens affectif du terme, par exemple, qui m'aurait amené à voir les choses d'une façon très décalée. J'ai eu, j'étais assez très heureux en fait. J'ai toujours été très heureux, mais toujours conscient en même temps que la façon dont s'organisait notre système, enfin, d'un point de vue économique et social, et maintenant de plus en plus de façon de plus en plus criante environnementale, nous amenait droit dans le mur. Et j'en avais une conscience presque intuitive qui s'est affermie au fil du temps, au fil des lectures, au fil des films que j'ai pu voir, des rencontres que j'ai pu faire et du travail que j'ai accompli avec tout un tas de gens pour arriver aujourd'hui à des convictions assez établies et confirmées sur le risque d'effondrement de notre société. Et donc pour Darwin, quelles ont été les valeurs qui étaient à l'origine de la création de ce lieu ? Et est-ce que tu peux rappeler peut-être pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est Darwin ? Alors Darwin, c'est un tiers-lieu comme on les appelle. C'est une ancienne friche militaire qui a été rénovée par le groupe Evolution, dont je suis l'un des associés. J'ai 4 associés avec lesquels nous avons conduit cette aventure et qui vise à reconvertir ce lieu en espace, écosystème, comme on dit, dédié à la transition écologique et à la coopération économique. En gros, c'est une multitude d'activités sont installées là-bas, 250 entreprises, 50 associations, un skatepark géant, notre propre brasserie de bière, 3 restaurants, dont le plus gros resto bio de France, une activité de compostage de biodéchets, enfin beaucoup de choses en tout cas qui cohabitent là-bas, beaucoup d'événements aussi, un festival annuel dédié à la cause climatique. Donc c'est
c'est un lieu très foisonnant où de multiples acteurs qui partagent des valeurs communes se croisent et essayent de réinventer une société. En tout cas, des façons de travailler, des façons de commercer, des façons de vivre ensemble qui soient plus inclusives et surtout moins impactantes pour l'environnement. Voilà, donc c'est un lieu un peu une utopie, on dit une hétérotopie maintenant, puisqu'elle est devenue concrète. Un lieu où convergent des acteurs qui ont envie d'imaginer le monde autrement que la façon dont il semble se dessiner aujourd'hui. Et toi, ta vision personnelle des années à venir, comment tu penses que les choses vont se passer ? Alors j'ai coutume de dire que je suis ni pessimiste ni optimiste, mais lucide. En tout cas, que j'essaye d'exercer une forme de lucidité. Personne ne peut dire qu'il y a la lucidité absolue, évidemment. Mais j'essaye d'être le plus factuel, le plus objectif possible dans ma lecture des faits et de me renseigner auprès de multiples sources pour essayer de dessiner le paysage face auquel nous sommes. Et je me suis documenté énormément. J'ai beaucoup lu d'auteurs et d'experts des questions écolo. Ça me passionne totalement. Donc j'ai maintenant pas mal d'années derrière moi, on va dire, d'études sur ce sujet, même si elles sont un peu informelles, ou en tout cas très pratiques sur la façon de les exercer au quotidien, donc à la fois théorique et pratique. Et j'ai une vision qui est sombre, parce que les données dont on dispose aujourd'hui dessinent assez clairement une impasse et la nécessité de regarder les choses avec objectivité nous amène à penser que ça va pas durer très longtemps sur les fondamentaux de cette société de consommation et de surconsommation, cette société productiviste qui consomme plus de ressources que la Terre n'est en capacité de les renouveler et qui génère tellement de déchets et d'externalités négatives, y compris sociales, qui font que tout ça n'est pas tenable. Donc ma vision, c'est qu'effectivement, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais ce système risque très probablement de s'effondrer, que ce soit financier, social, écolo, ou tout ça enchevêtré, risque d'advenir, et sans doute à une échéance relativement proche. Je sais qu'un Pablo Servigne, que je connais bien, parle de d'ici 5 ans, pour d'autres c'est dans 20 ans, pour d'autres encore un peu plus à un terme un peu plus lointain. Pour moi, c'est probablement d'ici 20 ans qu'on verra déjà des pans de notre société péricliter et des nouvelles organisations se mettre en place, bon, je dirais par nécessité, et dans une logique d'adaptation. Et qu'est-ce que ça fait de travailler depuis si longtemps sur ces questions-là, sans voir de changement positif, ou plutôt en observant le déclin assez rapide des situations ? Ben, c'est forcément un peu triste d'avoir consacré autant d'énergie à essayer de faire changer les choses. C'est peut-être un petit peu prétentieux d'ailleurs de penser qu'on aurait pu y parvenir seul dans son coin, ou en tout cas chacun avec son initiative. Mais le fait est que effectivement la tendance est là et que les principaux indicateurs se dégradent. Je ne sais plus qui disait qu'aucune conférence climat n'avait réussi à infléchir la courbe du CO2. Bon, c'est un peu pareil dans la transition, hein. Aucune initiative considérée globalement n'a réussi à changer la donne. On consomme toujours plus, on est toujours de plus en plus nombreux, on détruit toujours plus la biodiversité, on émet toujours plus de CO2. Et la transition n'a pas lieu, tout simplement. Donc effectivement, après une période qu'on aurait pu estimer favorable à des changements, je dirais la décennie 2007-2017, si je la situe un peu par rapport à mon propre vécu, on aurait pu imaginer que les choses, on va dire, s'infléchissent et qu'il y ait des vraies bifurcations. Elles n'ont pas eu lieu, voire même la situation s'est aggravée avec l'arrivée au pouvoir de personnes comme Trump, par exemple. C'est très caricatural, hein, de dire ça, mais c'est une réalité. Je pense qu'on a loupé l'occasion, véritablement, pour une ultime fois, de changer les choses. Donc maintenant, advienne que pourra, essayons de faire au mieux face à l'inéluctable iceberg vers lequel nous fonçons. Ouais, tu as l'air assez résigné dans ton discours, et en même temps, au quotidien, tu es extrêmement actif pour essayer de faire changer les choses. Je ne sais pas si c'est résigné, je pense que c'est assez réaliste. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les données nous montrent que notre bateau accélère vers l'iceberg et vers donc ce choc dont certains ne sortiront pas indemnes. J'espère que la plupart d'entre nous arriveront à le dépasser, mais rien n'est moins sûr. Donc face à cette probabilité
qu'est-ce qu'on fait ? Soit effectivement on se résigne totalement et on s'extrait de la société et on profite des derniers instants avant que ça n'arrive. Soit eh bien on reste viscéralement attaché à l'idée qu'il faut le faire de son mieux pour que ces probabilités soient les moins douloureuses possibles, à la fois pour soi-même et pour le collectif. Et c'est plutôt dans cette perspective que je me situe, en essayant d'agir, parce que je crois qu'on est aussi programmé comme ça quand on a pris conscience d'un certain nombre de choses et que le no future ne génère pas d'envie de tout abandonner, mais au contraire, de décupler ses forces pour sauver ce qui peut l'être, parce que cette planète, elle est belle quand même. Et concrètement, ça veut dire qu'au quotidien, tu essayes de convaincre les gens, ton entourage, tes proches, ta famille, tes amis, ton environnement professionnel. Oui, mais déjà, j'essaye de me mettre en conformité avec mes convictions le plus possible. Depuis toujours, j'ai pris, en ce qui me concerne, conscience que la décroissance était la seule issue possible. Consommer moins, voyager moins, se chauffer moins, trouver des solutions low-tech pour parvenir à l'essentiel de ce dont nous avons besoin. Et j'essaye de le vivre au quotidien. Alors, on est dans une société donnée avec tout un tas d'injonctions fortes, médiatiques, sociales, qui ne nous permettent pas toujours de faire ce qu'il faudrait. Mais j'essaye de m'astreindre à une certaine discipline. Je suis devenu végétarien, je ne me déplace quasiment qu'à vélo en ville. Je prends le moins possible l'avion, voire pendant très longtemps, je ne l'ai pas pris du tout. J'ai cédé récemment à certaines opportunités et c'est toujours avec pas mal de scrupules. Et puis, j'essaye de communiquer cette conviction à mes proches. Alors, parfois, effectivement, ça peut être un peu lourdingue. J'essaye de le faire avec du tact, avec la volonté de faire réfléchir plutôt que de convaincre absolument. J'y parviens pas toujours bien. Mais je crois que mon activisme en termes d'action, mais également d'information sur les réseaux sociaux, a de la portée. Enfin, j'ai un peu la prétention de le croire, si j'en juge par les retours qui me sont faits, de gens qui me disent ça, effectivement, ça m'a fait bouger, ça m'a fait réfléchir. Et je vois le monde un peu différemment. Sans que je le dépeigne d'une façon totalement apocalyptique. Je pense qu'aujourd'hui, on peut trouver des façons d'être en harmonie avec ses convictions et de le faire de plus en plus au fil du temps. Et que ça, c'est aussi une source de joie. Et qu'est-ce que tu penses de cette immense capacité de déni qu'ont les gens ou les organisations Ça m'interroge. J'avoue que toutes les lectures que j'ai pu avoir sur la question psychologique, alors pourquoi on est dans ce déni, pourquoi il y a des injonctions, la dissonance cognitive, comme on dit, pourquoi les gens ne se mettent pas en mouvement alors qu'ils savent pertinemment ce vers quoi leur pratique et leur comportement tendent, tout ça, effectivement, m'interroge énormément, notamment dans notre alimentation, qui est tellement intime, notamment par rapport à notre santé, par rapport aux impacts que ça peut avoir sur les écosystèmes. Notre consommation effrénée de bonne chair, comme on dit, ça devrait être l'inverse qu'on dit aujourd'hui, nous amène vraiment vers le gouffre. C'est quelque chose qu'on peut changer du jour au lendemain et que peu de personnes parviennent à faire ou a même envie de faire. Ça, c'est quelque chose qui me trouble énormément, alors qu'on peut très bien vivre différemment et de façon aussi joyeuse, aussi gustative. Depuis 2 ans que je suis végétarien, j'ai l'impression d'avoir rien perdu dans mon émerveillement gastronomique. Donc, je comprends pas qu'on soit si lent à prendre conscience et j'ai une certaine colère vis-à-vis de nos responsables politiques, dont c'est la mission de garantir l'intérêt général et qui ne font pas les bons choix, n'ont pas le courage qui s'imposerait aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses de la sorte de schizophrénie qu'il y a dans nos sociétés occidentales entre un monde hyper techniciste, technophile, qui veut coloniser Mars, etc., et la réalité des enjeux? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que notre capacité à penser par nous-mêmes, elle est très amoindrie par le bombardement permanent d'informations qu'on reçoit et qui est, bien entendu, aussi formaté par des intérêts particuliers, de court terme, économiques, et qui dessine une trajectoire en essayant d'embarquer un maximum de consommateurs serviles pour l'alimenter. Et je pense que malheureusement, cette capacité à être dans un esprit critique et de faire un pas de côté, elle est très faible. Et que ce qu'on voit autour de nous, c'est des gens qui ne se posent pas de questions et qui cèdent à la facilité de sirènes, je dirais, de plaisir, de vision hors sol, qui malheureusement ne nous amèneront pas, selon moi, vers un mieux, mais vers un pire. Donc cette schizophrénie, elle est vécue par pas mal de monde et par moi y compris. Je m'extrais pas de ça.
Je sais, par exemple, sur l'aspect de l'aviation, qu'il faudrait y renoncer ici et maintenant tout de suite. Mais j'ai encore l'illusion que je vais apprendre des choses de mes voyages et que, et que c'est un plaisir auquel j'ai du mal à renoncer. Donc moi-même, hein, je m'extrais pas de ce mouvement général, même si j'essaye de faire le maximum d'efforts possibles. C'est difficile, on est tous enchâssés dans une société et s'en extraire, vivre en ermite, c'est aussi se couper de tout un tas de liens sociaux qui nous sont indispensables. Donc c'est difficile, c'est long et chacun y va à son rythme, mais la société y va globalement trop lentement. Est-ce que tu penses que les élites ont, enfin une partie des élites en tout cas, ont abandonné l'idée d'un monde commun ? Oui, je pense qu'une partie des élites ont abandonné cette idée-là et une partie de l'oligarchie dessine même son monde d'après à elle, en essayant de préserver les ressources à son profit, en essayant de se protéger des risques et des conflits qui risquent d'advenir dans les villes, qui essayent aussi de préserver leur progéniture des méfaits d'un certain nombre d'outils, notamment numériques. Donc je crains que ce soit pas simplement une vision un peu, je vais pas dire complotiste, une vision où on stigmatiserait un petit groupe de personnes qui conspirent à la chute de la société à son profit. Mais quelque part, on a quand même le sentiment qu'il y a un certain nombre de décideurs qui invariablement agissent à leur propre profit, indépendamment de l'utilité collective de ce qu'ils proposent à la société et de ses bénéfices pour tous. Donc je crois qu'effectivement, on a une société qui est en train de se déliter, une minorité de nantis qui continue sa course folle et sa fuite en avant vers la technologie et vers le bien-être à tout prix, avec une masse de plus en plus importante de personnes qui ne jouissent pas de l'essentiel en ce monde, et donc des inégalités qui progressent et qui vont évidemment concourir à cette fracture dont on parlait au début de notre conversation, à cet effondrement, parce que tout ça n'est pas tenable, tout simplement. Et donc, est-ce que les élites qui auraient cette conscience très cynique pensent véritablement qu'ils vont pouvoir se préserver des dérèglements climatiques ? Je comprends pas comment ça peut être possible, mais après tout, on n'est pas une folie près. Hein. Toi, tu as un engagement auprès des animaux qui est assez fort. Je crois que tu te revendiques comme antispéciste. Oui, je me revendique comme antispéciste. J'ai pris conscience à quel point notre humanité était diverse et qu'elle incluait les animaux, à quel point on était dépendant des écosystèmes, à quel point on était dépendant des autres êtres vivants dans une grande chaîne. Et effectivement, je ne peux plus tolérer la souffrance qu'on inflige à toute vie sur cette terre, en tout cas consciemment, quand on amène des animaux à l'abattoir, lorsqu'on braconne tant et plus la faune sauvage, eh bien, on se tire une balle dans le pied. Et au-delà de l'émerveillement que me procure cette vie sauvage ou domestique même, et ce rapport à d'autres formes de vie non humaines, mais animales, j'ai envie de la préserver parce que je pense qu'elle a tout autant le droit de vivre que nous l'avons et qu'on peut très bien parvenir à vivre en harmonie sur cette planète avec ces vies-là. Du coup, oui, j'ai aujourd'hui pris conscience de ça et j'ai envie de m'y consacrer pleinement. Parce que je crois que le soin qu'on accorde aux plus vulnérables, et les animaux sont parmi les plus vulnérables des vulnérables, dessine aussi l'attention qu'on veut avoir vis-à-vis de tous, et que commencer par là est pas plus mal. Voilà. Donc, et puis après, j'ai une attraction aussi vers la vie sauvage qui m'attire irrémédiablement vers toutes ces questions-là, et de plus en plus. Donc ça sera sans doute mon futur. Et donc pour revenir à Darwin, ça a été quoi les grandes peut-être difficultés ou les critiques auxquelles tu as fait face le plus souvent là-bas ? Est-ce qu'on vous traite de bobo, oui, etc. Quand on crée une initiative entrepreneuriale, déjà, on nous met dans une case. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est une entreprise, on ne serait qu'intéressé par le profit, par nos propres intérêts immédiats. On ne serait pas sincère dans la prise en compte d'un certain nombre d'enjeux qui ne relèvent pas de notre sphère d'action. On serait incompétent pour parler écologie ou pour être dans la sphère de l'inclusion sociale. Donc, je crois que c'est assez français, c'est peut-être même humain. On a tendance à, pour se rassurer, à mettre les gens dans des cases et à
créer des parois assez étanches entre des disciplines. Nous, on a une approche très transdisciplinaire, très ouverte. On a envie de confronter des points de vue, de rassembler des acteurs très variés. Et je crois que la première difficulté, ça a été de faire comprendre que la coopération entre tous ces acteurs était bien plus fertile que le fait de les spécialiser chacun dans leur coin. Et faire comprendre ces concepts-là, à notre échelle, hein, bien sûr, et sur un territoire qui est celui de Bordeaux, a été quelque chose d'assez long. Parfois un peu douloureux, notamment dans la relation à des dispositifs, à des institutions qui sont quand même très formatées par un fonctionnement vertical en silo. Là, nous, on était horizontal et on va dire tous azimuts. Donc, ça a été difficile de ce point de vue-là, mais je crois qu'avec le temps, on est parvenu à faire entendre nos convictions et à y rallier de plus en plus de personnes, y compris des éléments assez radicaux. On a à Darwin des zadistes qui viennent régulièrement échanger avec nous, pour boire un pot, refaire le monde. On a aussi des entrepreneurs encravatés qui ne juraient auparavant que par les startups et qui commencent à réfléchir au sens qu'ils peuvent donner à leur aventure économique. On a des associations d'agriculture urbaine, des associations de solidarité comme Emmaüs, qui côtoient des patrons, comme on dit, et qui arrivent à faire des choses ensemble très bénéfiques pour tous. Donc, c'est pas le monde de oui-oui, loin de là, mais on a, je crois, contribué à décloisonner un peu et à faire se mêler des problématiques qui auparavant étaient traitées séparément. Je pense que ça, c'est notre plus grande vertu. Après, je crois qu'on a été extrêmement sincères et déterminés dans ce qu'on faisait, sans nier non plus nos échecs ou nos limites. Je pense que ça a été entendu, ça a été compris et qu'aujourd'hui, Darwin n'est plus du tout considéré comme un îlot de bobos qui veulent se faire plaisir et qui sont dans l'entre-soi, mais au contraire comme une initiative véritablement sincère de bouger les lignes. Et c'est ce qui nous donne aussi maintenant cette notoriété assez exceptionnelle qui nous permet d'être encore plus influents au-delà de notre propre territoire, puisque beaucoup d'acteurs, qu'ils soient porteurs de projets ou initiateurs de tiers-lieux, voire élus, d'autres territoires viennent essayer de tirer quelques enseignements de notre aventure pour essayer de s'en inspirer. Voilà. Et du coup, devant l'immensité des enjeux et l'urgence du climat, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui te demanderait quoi faire concrètement ? Dans quel domaine ? Ouais, dans, je sais pas, en tant que citoyen ou... Quelqu'un qui aurait pris conscience récemment de. Bah, je crois que. Du risque d'effondrement, de toutes ces problématiques. Moi, je crois toujours que c'est pareil, hein, c'est assez simple en fait. C'est se libérer du superflu, c'est revenir à l'essentiel. Je ne vais pas faire mon Pierre Rabhi de base, mais c'est prendre conscience que notre niveau de consommation égale notre niveau d'impact sur cette terre et que plus on le décroît, plus on se satisfait de choses simples et qui n'ont pas forcément nécessité de ressources importantes, mieux c'est. Voilà. Donc je crois que ça c'est le principal leçon, la principal enseignement que j'essaye de vivre au quotidien et d'enseigner à mes enfants. Après, il faut pouvoir l'incarner et j'essaye d'être en cohérence avec ça. Et à quelqu'un qui me poserait la question de savoir que faire, je lui dirais déjà voilà, de beaucoup moins consommer, de ne plus manger de viande ni de poisson, de ne beaucoup moins prendre l'avion, de ne pas prendre sa voiture quand il peut faire autrement, de trier ses déchets, enfin des choses simples, sans réduire la problématique à des éco-gestes. Hein, ça serait catastrophique. L'éco-citoyenneté, c'est un peu... Voilà, on n'en est pas là. C'est la question, elle est éminemment politique. C'est aussi une question de répartition des richesses, donc de modèles économiques, de modèles politiques et sociétal. Donc je n'évacue absolument pas ça, c'est central. On fait des choix, et des choix capitalistes vont à l'encontre de nos intérêts collectifs. En revanche, à titre individuel, on peut aussi se mettre en conformité avec ses convictions, et je pense qu'il faut qu'on le fasse si on veut influer sur notre entourage dans la bonne direction. Et est-ce que tu penses que dans ta vie, il y a un moment où tu t'es vraiment radicalisé, ou ça a été crescendo ? Crescendo, mais beaucoup d'étapes comme ça, de paliers, de radicalisation, si on peut dire. On me considère généralement comme très radical sur toutes ces questions-là, même si dans mon mode de vie, il y aurait beaucoup à redire. Bon sens, quoi. Ouais, et puis je vis pas du tout, je crois, comme il le faudrait si on devait le faire à 7 milliards d'individus. Je vis encore bien au-delà de ce que la Terre peut supporter, parce que je suis français, parce que je vis dans une grande ville, parce que je suis soumis à un certain nombre d'influences aussi, parfois même inconsciemment, mais parce que j'ai un niveau de salaire,
et que j'en profite d'une certaine façon. Donc, bien entendu, je suis pas exemplaire, mais j'essaye d'être de plus en plus cohérent. Et effectivement, ça passe par des paliers de ce que certains considéraient de la radicalité, que moi, je pense être tout simplement de la cohérence. Et je reviens toujours à ça parce que ça me paraît très emblématique. Notre consommation alimentaire, se passer de viande et de poisson, c'est très simple. Ça n'enlève rien au plaisir qu'on peut avoir à manger, ni à la convivialité qu'on a à le faire avec d'autres. Et ça a un impact immédiat extrêmement fort sur notre environnement et sur la société. Donc je pense que voilà, ça, c'est des choses qu'on peut faire et qui sont pas du tout radicales, qui sont juste un souci de cohérence avec ses idées, si tant est qu'on les partage. Et du coup, toi, dans ta vie, dans les années futures, est-ce que tu te prépares à vivre différemment en vue d'un possible effondrement ? Oui, j'ai depuis plusieurs années beaucoup travaillé tout ce qui était autonomie énergétique, autonomie alimentaire. J'ai appris à faire un potager, j'ai appris à être dans une plus grande sobriété énergétique. Je pense sincèrement que je pourrais me satisfaire d'assez peu. Je pense que l'essentiel n'est pas dans les biens matériels qui m'entourent, mais dans on dirait les liens qu'on peut créer avec son entourage. Moins et de biens, plus de liens. Oui, typiquement le mot d'ordre des écolos, mais ouais. Au-delà de ça aussi, les mots de Servigne et de Gauthier Chapelle dans l'entraide, ouais. Leur dernier bouquin m'ont beaucoup touché. Je pense qu'effectivement, on pourra faire face à ces probables effondrements en étant plus solidaires les uns avec les autres, en partageant, en mutualisant. C'est des choses que j'ai essayé de faire dans mon quartier, qu'on, bien sûr, on met en œuvre à Darwin, qu'au niveau de ma famille et de mes rythmes et modes de vie, j'essaye aussi d'appliquer. Donc, maintenant, il y a des limites à tout ça. Je pense qu'on peut essayer de créer des communautés résilientes sans être des éco-villages repliés sur eux-mêmes ou des sectes, hein, bien entendu. On peut essayer de faire ça et j'espère que c'est ce qui adviendra le plus possible demain. Mais qu'est-ce qui adviendra des liens, des communautés entre elles lorsque les ressources seront aussi de plus en plus impactées et moins disponibles? Je ne sais pas si on peut véritablement l'anticiper. Est-ce qu'il vaut mieux vivre à la campagne ou à la ville dans la perspective de cet effondrement-là? On a tous en tête les scènes de Mad Max ou de films d'anticipation de ce style-là. On se dit qu'il vaudrait mieux faire son jardin à la campagne. On sait aussi que les villes réquisitionnent tout ce qu'ils peuvent prendre à la campagne lorsqu'on est face à des situations de pénurie. Voilà, je veux pas être non plus trop dans l'anticipation de ce type de scénario qui peuvent être très anxiogènes. J'essaye tout simplement de mettre en œuvre à mon niveau maintenant les conditions qui me rendront demain plus résilient et advienne que pourra. Si jamais ça se voilà, il y a effectivement un effondrement brutal ou d'ailleurs pas brutal, je serais, on va dire, peut-être plus prêt. Et d'un point de vue collectif, les initiatives que dans lesquelles j'ai envie de m'investir aujourd'hui ont vocation à essayer d'embarquer un maximum de monde là-dedans en essayant d'augmenter notre résilience collective. Donc d'un point de vue individuel comme collectif, j'essaye de mettre en pratique tout simplement mes idées et les méthodes qui permettront à tous demain de faire face à ce choc-là. Comme on dit métaphoriquement, si on était sur le Titanic, on n'essaierait plus tellement de le ralentir ou en tout cas d'éviter l'iceberg, mais on construirait un maximum de canaux de sauvetage. Voilà, on est plutôt dans cette idée-là. Comment tu fais dans ta vie pour cultiver la joie malgré l'ampleur des soucis? Parfois, ça je me m'étonne moi-même d'être toujours aussi joyeux chaque matin en train de me lever quand je lis les journaux, quand je vois autour de moi un certain nombre de choses se produire, la précarité qui augmente, des gens qui sont à la rue partout, y compris dans des villes qu'on prétend si riches, des vagues de migrants qu'on accueille tellement mal, des océans qui se vident, des abattoirs qui se multiplient. Bon, tout ça évidemment ne me met pas en joie, mais j'arrive à garder une espèce d'énergie interne dont je m'explique pas moi-même la source, mais qui est réelle. Je crois que c'est une nature aussi, c'est un caractère. J'ai toujours été comme ça et les mauvaises nouvelles ne l'ont pas entamé. Donc peut-être l'activisme au quotidien m'aide à surmonter cette angoisse qui doit être latente malgré tout quelque part. C'est peut-être un moteur d'ailleurs de cet activisme, un peu inconsciemment. Mais voilà, c'est un fait. Aujourd'hui, je reste totalement déterminé, actif, joyeux dans cette tentative de transition, quand bien même elle serait vaine.
Mais c'est très inspirant en tout cas. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir et merci pour ces questions. Merci beaucoup à Jean-Marc Gansil pour cet entretien. Je vous encourage à aller passer un peu de temps à Darwin si vous le pouvez. Par exemple, lors du prochain Climax Festival qui aura lieu en septembre prochain. Pour soutenir Présage, le mieux est de partager les épisodes s'ils vous ont plu, de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Belaouel, mixé par Paloma Colombe. Je vous donne rendez-vous sur le site présage.fr pour vous abonner, recevoir la newsletter, en découvrir plus sur les invités et approfondir les différents sujets abordés. À très vite !